Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble une petite vidéo sur comment se rappeler de certaines choses dans la journée. Par exemple, appeler telle personne, par exemple, aller chercher telle chose. Car c'est vrai, on arrive parfois à oublier dans une journée des tâches que l'on devait faire et qui passent à côté. Alors, dans le Mac, on a une possibilité de se mettre des petits post-it, et grâce à ces post-it, vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, en plus, ces petites vignettes, ces petits post-it sont accessibles à VoiceOver sur votre Mac, puisque lorsque vous les avez écrites, on peut simplement, avec les touches VO F2, sans sélecteur de fenêtre menu, avoir le sélecteur de fenêtre et par exemple les choisir avec flèche bas. Sans titre. Passer récupérer le pain précédent. Sans titre. Actuel. Appeler le médecin. Test appeler docteur. Bonjour, il faut que je paie. Voilà, donc ici par exemple, je vais aller sur une qui est sans titre. Test appeler. Appeler le médecin. Sans titre. Actuel. Sans titre. Fenêtre. Modifier le texte. Et je vais la remplir. Zoom 2,2x. Vous êtes actuellement sur zone de texte. Pensez. À accent grave. Rappeler. Le. Docteur. Zoom 1,3i. Voilà, donc on a rempli notre vignette. Et si je refais mon VOF2 sélecteur de rapidement, je circule dans les différentes vignettes. Sans titre. Passer récupérer le pain. Pensez à rappeler le docteur. Appeler le médecin. Test appeler docteur. Bonjour, il faut. Sans titre. Modifier le texte d'insertion. Elle est quand même bien utile. Et on va tout de suite aller dedans. Cette application s'appelle. Application. Aide-mémoire application. Aide-mémoire. 25. Alors, aide-mémoire, comme elle l'indique, ça va vous permettre de mettre des petits post-it de couleur en plus. Ou aide-mémoire, sans titre, fenêtre, modifier l'octet. On a une petite fenêtre aide-mémoire qui s'ouvre et qui, image, qui va pouvoir être redimensionnée. Vous voyez ici, on peut la redimensionner à volonté. Et bien sûr, on va pouvoir. Couleur, couleur, gauche, bleu. Vous êtes actuellement fermeture du menu. Jouer sur les différentes couleurs des post-it. Vous êtes actuellement jaune. Vert, coché. Rose. Violet, coché. Gris, coché. Donc, comme vous avez pu entendre, là, on a changé de couleur des différents post-it. Lorsqu'on fermera notre Mac et lorsqu'on le réouvrira, les post-it apparaîtront automatiquement. Voilà donc pour cette vidéo sur les petits pense-bêtes sur Mac qui vont vous permettre de vous rappeler même à l'extinction de votre Mac et au rallumage. Ces petits pense-bêtes ici que vous voyez sur l'écran en gros vont être un atout pour le lendemain et les surlendemains pour ne rien oublier. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous fera penser à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !